Bonjour tout le monde, bienvenue à Option Région. Aujourd'hui, Option Région, un spécial sur les femmes, une entrevue avec Mathilde Cinq-Mars, qui est co-auteur d'un volume qui s'intitule « Nos héroïnes ». En deuxième partie, je vais vous raconter comment les femmes ont obtenu le droit de vote, la longue marche des femmes vers le droit de vote. Vous allez voir que ça n'a pas été facile. On passe maintenant à une entrevue avec Mathilde Cinq-Mars, qui a co-publié un volume qui s'intitule « Nos héroïnes ». Bien, bonjour Mathilde, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Option Région. Mathilde, tu as étudié les arts visuels à Strasbourg en France, tu es illustratrice et avec Anaïs Barbeau-Lavalette, vous avez publié un peu avant les fêtes un volume intitulé « Nos héroïnes » à la maison d'édition Marchand de feuilles. Et là, il s'agit de vous raconter brièvement la vie de 40 femmes qui ont marqué le Québec du début de la colonie aller jusqu'à tout récemment. Malheureusement, ces femmes-là ont été oubliées, mais c'est des femmes qui ont été marquantes pour le Québec. Puis si le Québec n'avait pas eu l'implication de toutes ces femmes-là, je pense que le Québec serait très différent d'aujourd'hui. Et c'est toi qui as fait les illustrations de toutes les femmes qui sont là-dedans, des illustrations qui sont en passant très jolies. Et vous dites que votre volume s'adresse tout particulièrement aux jeunes garçons et aux jeunes filles, mais dans le fond, il peut s'adresser à tout le monde qui veut savoir un peu quelles ont été les principales femmes importantes du Québec. Puis en plus, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un volume qui est solide, là, très cartonné, ça va durer longtemps. C'est un beau volume, vraiment, là, avec des belles illustrations. Fait que je voudrais savoir, est-ce que personnellement, tu avais déjà fait des recherches sur l'histoire des femmes au Québec? Est-ce que c'était un monde que tu connaissais, sur lequel tu t'étais intéressé dans le passé? J'ai pas fait d'études en histoire, en études féministes ou quoi que ce soit, mais j'ai une énorme sensibilité aux enjeux sociaux. Ça fait partie de ma vie, je l'ai toujours revendiqué aussi. Les contrats que je vais chercher en illustration sont très souvent en lien. Ça fait que c'est sûr que moi, j'avais déjà l'oreille attentive aux modèles, puis tout ça. J'allais vite tous les livres aussi qui étaient sortis un peu dans le même style, Histoire de soir pour filles rebelles, Les culottés, 10 femmes inspirantes, je les avais déjà achetés pour ma fille. Ça fait que j'étais déjà dans cet univers-là, là, de façon revendiquée. Puis, comment s'est fait le choix de vos personnages? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de mettre telle femme? Peut-être qu'il y a eu une sélection, là. Comment ça s'est passé, ça? Quels étaient vos critères? En fait, c'est surtout Anaïs et Mélanie, avec la recherchiste Annette Gontier, qui ont fait la sélection. Ils ont été inclusifs aussi. Ils m'ont demandé mon avis dans tout ça. Mais je pense que la sélection s'est vraiment faite. Il y a eu des femmes qui se sont imposées, des femmes qu'on connaît, tu sais, Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. On ne pouvait pas passer à côté si on faisait un livre comme ça. Après, il y en a d'autres dont on connaît le nom. Mettons, si je dis Émilie Gamelin, ben le parc, puis ça, on l'a toutes déjà entendu, mais est-ce qu'on connaît son œuvre moins? C'est la fondatrice des Centres de la Providence, elle a dédié sa vie aux pauvres. Ça fait qu'il y en a comme ça qui étaient un peu, on connaît, mais pas tant que ça. Il y en a d'autres qu'après, c'était des noms qui, en tout cas, qui, moi, m'étaient complètement inconnus. Puis je pense que même à elles qui ont fait de la sélection, ils les ont vraiment dénichés puis mis la lumière sur elles. Je pense à Maud Watt, là, qui était une Gaspésienne qui est allée vivre à la baie du Thon puis qui a traversé la taïga avec ses enfants en train de chien pour aller parler aux dirigeants pour créer des aires protégées. Ça fait que c'est des femmes comme ça dont on ne connaît pas le nom, mais qui ont vraiment à être connues. Oui. Il y avait ces trois pôles dans la sélection. Je dirais qu'au travers de toutes ces femmes-là, il y a un lien qu'on peut voir, là, entre autres le courage, à mon avis. Toutes des femmes très courageuses. Puis toi, tu as fait les dessins, les illustrations. Qu'est-ce qui t'a inspiré, là? Pourquoi tu as fait ça? Mettons, tu les as présentées de telle façon. Parce que, bon, c'est sûr que les femmes plus récentes, il y avait des photos qui existaient. Mais pour celle du passé, qu'est-ce qui t'a inspiré, là? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ça de telle manière? Bien, j'ai eu un parti pris à prendre en quelque part. C'est sûr que pour moi, c'était très intimidant. C'est des femmes que j'admirais. Il y en avait, comme vous dites, qui n'avaient pas de photos d'archives. Ça fait que j'avais à leur donner un visage, à leur inventer un visage. À ce moment-là, souvent, je suis partie de femmes dont on a déjà les images qui sont aussi inspirantes. Et puis j'ai fait des mix puis tout ça pour essayer d'aller chercher un regard que je pense qui leur appartenait peut-être. Après, je suis allée chercher des éléments un peu plus poétiques de chaque histoire. Moi, quand je travaillais pour faire les images, j'avais les dossiers historiques, j'avais pas encore les textes d'Anaïs.
Ça fait que je suis allée assez large, assez conventionnelle aussi. Moi, ces femmes-là, quand je les googlais, quand je les recherchais dans les livres, finalement, j'apprenais leur visage. Il y en a que je connaissais les noms, Simone Monet Chartrand, puis ça. Mais en fait, j'aurais pas pu la reconnaître sur une photo. Je me dis, moi, je les connaissais pas assez. J'avais pas envie de faire de les interpréter ou de faire vraiment un personnage comme un personnage que je fais dans mes autres albums. C'est des femmes qui ont un côté réel. J'avais envie qu'elles aient des traits réels et puis qu'on puisse les reconnaître ensuite si on les revoit sur des photos, dans des documents. Ça fait que je suis allée de façon un peu réaliste pour ça aussi. Si aujourd'hui on peut dire que les femmes au Québec sont parmi les femmes qui ont obtenu le plus de droits, on peut dire qu'on est, je ne sais pas si on peut appeler ça chanceux, en tout cas, mais je pense que ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'égalité. Mais ça n'a pas été toujours le cas, loin de là, puis des fois même récemment. Puis dans votre volume, vous racontez un certain nombre d'éléments là, d'absence de droits quasi totale. Est-ce que tu peux nous donner des exemples là, de ces absences de droits-là qu'on a connues dans un passé pas si lointain? Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le livre est fait, les femmes sont présentées en ordre chronologique. Ça fait qu'à chaque fois qu'une a milité pour obtenir un droit, puis ça, on voit vraiment les femmes qui l'ont eu avant, les femmes qui l'ont eu après. T'sais, ça fait qu'à, mettons, pour le droit de vote, 1940, ben, t'as les femmes qui l'ont eu, qui ont milité. Dans le fond, on va voir Thérèse Forget-Queret, Idola Saint-Jean, puis ça, les femmes qui ont été dans cette lutte-là. Et puis les femmes qui l'ont eu. Après, pareil pour le droit à l'éducation, tu as le duo Marie-Gérard Lajoie, mère a milité pour le droit à l'éducation. Sa fille a été la première diplômée. Et puis les femmes qui suivent Marie-Gérard Lajoie, en fait, on a Carrie Derrick, je me souviens plus les autres, on a Hallé Douglas, on a des femmes qui ont été importantes dans le domaine scientifique, scolaire, puis tout ça. Ça fait que on voit vraiment, là, même sur l'emprise du corps des femmes, toutes les premières, c'est les robes, c'est les corsets, là, ils sont tenus. Puis après, t'as Louise Armendo, à un moment, qui était une cycliste, qui a eu envie de se libérer de ça. Puis après, bon, il y en a une ou deux qui ont encore le corset sur les images, mais on voit qu'après, les vêtements sont divers, tout ça. Ça fait que ça, c'est pour nommer certains exemples, mais c'est intéressant d'avoir la lecture aussi quand on voit dans le livre. Globalement. C'est vrai ce que tu dis, qu'il y a comme une espèce d'évolution, là, que, tu sais, à partir du moment que tu as un droit, tu peux en revendiquer un autre, et que c'est un peu comme si tu montais des marches d'escalier, là. Mais parmi la quarantaine de femmes que vous avez identifiées, si je te demandais d'en identifier trois qui t'ont particulièrement interpellée, puis brièvement pourquoi, ce serait quoi tes trois favorites? Moi, en fait, quand je recevais les dossiers, je les lisais, puis à chaque fois que j'en lisais un, c'était ma préférée. À chaque fois que je faisais un dessin, je les ai toutes vraiment, vraiment aimées. Après coup, quand je les relis, je les change tout le temps de préférée, là, mais je dirais qu'il y en a qui reviennent. Par exemple, la page sur les filles du roi, je trouve ça vraiment touchant de la façon qu'Anaïs a écrit le texte aussi. Souvent, on les décrit, c'est les femmes qui sont venues marier puis fonder des familles. Et ces femmes-là, ils ont traversé l'océan en bateau et ils se dirigeaient absolument vers l'inconnu. Ces femmes-là sont arrivées, ils ont défriché la terre. C'était beaucoup plus que le titre qu'on a l'habitude de leur donner, des femmes qu'on envoyait. Ils ont vraiment bâti notre pays, ils ont construit, ils ont élevé les enfants à travers ça, ils ont éduqué, ils ont eu vraiment plusieurs chapeaux. Celui-là, je trouvais que c'était vraiment très différent de ce que j'avais appris dans mes cours d'histoire. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Des femmes Après, j'ai des pas femmes dit. fortes, des femmes fortes. Ah, c'était des femmes vraiment incroyables. Je pense que, ouais, on parle pas mal toutes d'eux autres, là, puis je pense qu'on les nommera jamais assez. Et après, il y avait toutes les femmes aussi qui ont eu énormément d'enfants, tout en militant, tout en ayant une carrière. Je pense à la Bolduc qui a eu 15 enfants. Il y en a 4 qui ont survécu, mais 15 grossesses, 15 accouchements. Je veux dire, j'ai une fille, puis pour moi, c'est quelque chose d'impensable de dire. Autant d'enfants tout en ayant une énorme carrière musicale, en faisant des entrevues, en gérant un budget. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Et après, il y a toutes les femmes aussi qui ont fait des ponts. Je pense à Kinua Achevac, qui est une artiste inuit.
qui a vécu, qui est né dans une igloo de parents nomades, et puis qui dessinait en secret sur des pots de phoque, et puis qui a fait un pont avec le sud, puis qui est devenue une grande artiste, qui fait partie de notre imaginaire artistique collectif, qui est d'une de nos grandes artistes maintenant. Ça fait que ça, c'est trois exemples qui m'ont touché. Mais, oui, je suis d'accord avec toi que, entre autres, si tu disais, il y a Simone Monnet-Chartrand aussi qui a eu plusieurs enfants, mais qui a été très militante. Ça veut dire que, dans le fond, c'est que ces femmes-là, là, ils ont donné plus que. Ah oui, je pense que c'est plus vraiment que bien des hommes, comme on dit. Hommage à ces femmes-là. Alors que les femmes devaient vivre dans des conditions qu'on pourrait qualifier d'inacceptables en matière de droit, entre autres, il n'y avait même pas le droit d'écrire, il n'y avait pas le droit de signer sous leur nom. S'ils voulaient écrire, il fallait que ce soit sous un nom d'homme. D'avoir une signature féminine, ce n'était pas acceptable. Pas le droit de signer de documents. Une des femmes qui raconte que qu'au niveau des Autochtones, quand une femme autochtone se mariait, elle perdait tous ses droits. Puis elle disait une affaire qui m'a un peu bouleversé. Elle disait « Mon chien a plus de droits que moi. Mon chien peut se faire enterrer sur mon territoire ancestral, alors que moi, je ne peux pas. » Dans le fond, quand on voit des femmes là, qui subissent toutes ces affaires-là, qu'est-ce qui lui donnait la force de continuer de se battre? Parce que dans le fond, il aurait pu dire « ça ne donne rien ». Souvent, là, des gens qui disent « oh, ça ne donnera rien ». Qu'est-ce qui leur donnait le courage de continuer? Je pense que c'est difficile à comprendre quand on n'est pas une de ces personnes-là, mais je pense qu'il y a eu un mélange de valeurs très fortes, puis de caractères aussi. Je pense que ça prend des caractères pour pousser ça, mais ça prend aussi, tu sais, ils se sont enlevés, ils se sont pas dit, bon, ben, je suis juste une femme après tout, je suis juste une mère, je suis juste, ben, tu sais, non, ils se sont dit, c'est ça, Marie-Thou Axerly, c'est pas une parmi les autres. Ben, elle a une voix, elle l'a pris. C'est des gens qui, comme tu sais, Judith Jasmin qui est partie, première reporter en Haïti. Puis tout ça, elle s'est pas dit, bon, comment les femmes vont aller être reporters? Elle s'est dit, moi, je suis une reporter. Ils se sont enlevés du rôle qu'on leur donnait et puis pour prendre la place. Puis on leur en remercie maintenant. Je pense que c'est des bons exemples pour se donner l'envie d'aller jusqu'où on peut aller dans le militantisme pour toujours aller de l'avant là, pour les droits. Mais dans le fond, là, je pense que c'est votre titre qui résume le mieux tout ça, des héroïnes. Ah oui. C'est des femmes là, qui ont été capables de se tenir debout dans un monde d'hommes complètement ridicule assez souvent. Puis je me rappelle d'avoir lu, entre autres, sur une des femmes que vous avez interpellée, Idola Saint-Jean. Idola Saint-Jean, là, c'était une femme qui était capable d'en imposer. Puis quand elle jasait avec les hommes, puis elle revendiquait le droit de vote, puis elle leur disait qu'ils étaient des ridicules, des innocents, puis ils avaient peur d'elle. Là, ça fait que là, elle avait suffisamment confiance en elle pour faire peur aux députés, puis... Disons qu'elle ne se gênait pas, comme on dit, là, puis elle était capable de leur faire la démonstration qu'ils étaient de véritables imbéciles, puis il n'y avait rien à dire après ça. Là. Des femmes impressionnantes. Impressionnantes. Et on le voit même dans leur visage, tu sais. Finalement, on a tellement l'habitude de voir tous les mêmes modèles de visage, les mêmes modèles de corps, des femmes. Puis quand on regarde ce livre-là, on les voit, Idola Saint-Jean, on le voit dans son visage. Elle n'était pas là pour être. Elle n'était pas là pour être belle, elle n'était pas là pour être smart, elle était là pour revendiquer quelque chose, elle était là pour avoir une parole qui avait du sens. Puis on dirait que même moi, quand je faisais le dessin, j'étais là, c'est dans l'image, on le voit dans son visage. Oui, c'est que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, que ces femmes-là n'étaient pas là pour elles-mêmes, ils étaient là pour une cause, ils étaient là pour une société. C'est que leur personne passait après la cause. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde individualiste dans lequel on est, et qu'on est loin de ça, mais je souhaite qu'avec votre volume, en tout cas, on puisse revenir au moins en partie à ça. Et toi, qu'est-ce que tu retires là, des recherches que vous avez faites sur ces femmes-là, puis sur ces femmes qui n'ont pas eu peur de se tenir debout, parce que dans le fond, c'est des femmes, comme je disais tantôt, courageuses, c'est pas peureuses, sûrement pas, là. Qu'est-ce que tu retires de ça? Ben moi, j'ai eu énormément là, d'admiration puis d'affection tout au long du livre pour toutes ces femmes-là. C'est sûr que moi, quand je les lisais puis je prenais connaissance des dossiers, je disais, mais attends, pourquoi ce nom-là m'est jamais venu alors que justement, en plus, j'ai un intérêt pour ça. Comment ça, c'est jamais venu à mon oreille?
T'sais, je veux dire, j'ai 30 ans, pourquoi ils ne font pas encore partie de ma vie? Ce que ça me mettait de l'avant, c'est que l'histoire fait des choix. On choisit de mettre des noms de l'avant, on choisit de mettre des gens dans l'éclairage, on choisit de perpétuer leur nom, de faire des écrits. Puis je veux dire, le choix n'a pas été de mettre des femmes en avant. Alphonse Desjardins, qui ne le connaît pas. Dorimène Desjardins, elle a fondé les caisses en même temps que lui, tout en ayant d'ailleurs 10 enfants, elle aussi. Je veux dire, ces noms-là, Marie Rollet, on ne la nomme pas alors qu'on nomme Louis Hébert. On a fait des choix, et puis bon, OK, c'est fait. Mais après, je pense que pour l'avenir, je pense qu'on peut faire d'autres choix. Moi, c'est ce que ça montrait. Que ces choix-là ont un impact ensuite sur tout le reste, sur les modèles que les enfants vont avoir, puis tout ça, ça fait pas à nous de modifier ça. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des améliorations, mais il reste encore des choses à faire. D'après toi, ce serait quoi ce qui reste à faire pour avoir une véritable égalité entre les sexes? Je pense que si on parle, on peut parler à différentes échelles. On s'entend qu'il y a des endroits que les femmes risquent de se faire tuer par leur propre famille pour s'être fait violer, donc avoir perdu leur honneur, là. T'sais, on est dans d'autres choses ici au Québec, par chance. Mais après, il y a encore, moi, je relève là vite ça, trois grands points qui restent encore réellement à travailler. Il y a les violences physiques, sexuelles, psychologiques faites aux femmes qui sont encore beaucoup plus grandes. Il y a l'équité salariale qui n'est pas atteinte dans les domaines qui sont rattachés aux femmes, plus souvent ont des salaires plus bas. Et puis les postes de pouvoir sont encore en majorité tenus par des hommes. Ça fait que ça, je pense que c'est trois grands points que le combat reste encore à faire. Et puis après, c'est sûr qu'on va voir, là, on remet les femmes en avant, on retente, ils ont vraiment été oubliés. Ils ont vraiment été mis de côté, ça fait qu'on les remet en avant, mais après, il va y avoir, en espérant que cette égalité-là revienne, et puis il va y avoir aussi vraiment un travail à faire de mettre des modèles positifs aussi pour les hommes, qu'il y ait vraiment de voir la place qu'ils ont pour eux autres aussi, amener à cette égalité-là. C'est ça, comme on est dans un changement, ben là, on va y aller fort avec les femmes, mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai l'espoir que vite aussi, ça revient, c'est ça, avec des beaux modèles pour les garçons, comment ils peuvent participer à ce monde-là aussi de façon positive. Bien, je suis persuadé que votre volume va y contribuer parce que, dans le fond, les histoires que vous racontez là-dedans, là, c'est que les femmes qui sont tenues debout à cette époque-là, c'était plus dur qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, il y a des mesures de protection. On est quand même dans un monde de plus grande liberté. Il y a toutes sortes d'opportunités qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Mais pour se tenir debout en 1600, en 1700, en 1800, en 1900, puis même au début des années 2000, il a fallu une dose de courage immense. Et ce que ces femmes-là nous disent, ce que vous nous dites, c'est que c'est possible de changer des choses. La preuve, c'est qu'on est dans un monde très différent. Puis je suis persuadé que le Québec peut devenir un modèle au niveau international. Je pense qu'on est déjà, en tout cas, très bien placé. Puis il y a encore d'ouvrages à faire. Mais j'incite les gens, en terminant, à acheter votre livre, le faire lire aux enfants, aux garçons, entre autres, là, puis pour voir qu'il y a des très beaux modèles féminins qui existe. Et pour les gens qui, je vous rappelle le titre, c'est « Nos héroïnes », c'est aux éditions Marchand de feuilles. Puis aussi, c'est que pour les gens qui veulent en savoir plus long, sur le web, là, il y a toutes sortes d'affaires sur les femmes qui sont là-dedans. Si les gens veulent aller plus loin, bien, vous allez voir là, que c'est des femmes pas mal extraordinaires. Bien, merci beaucoup, Mathilde. Ça nous merci a... à vous. C'était très intéressant, puis au plaisir de se reparler éventuellement. Oui, merci. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK, j'arrive dans 30 minutes. Pour faire suite avec l'entrevue de Mathilde Saint-Mars sur le volume Les héroïnes,
On va en remettre un peu là-dessus. On va remettre une couche, comme on dit, par-dessus tout ça, compte tenu du fait là, que cette semaine, c'était la semaine du 8 de mars pour la Journée internationale des femmes. Je vais me servir de mes notes de cours d'anciens professeurs et également aussi d'un numéro spécial que j'ai pris connaissance là, tout récemment. C'était la revue Le Temps de parole, qui est une revue de l'Assemblée nationale du Québec, qui a consacré son numéro de janvier 2019 aux femmes qui ont été députées, ministres et dans certains cas, dans un seul cas, première ministre, soit Mme Pauline Marois. Bon, je vais vous faire quelques extraits là, de ce que j'ai lu. J'ai bien aimé ça. On va commencer par le fait que, d'abord, c'est au Québec que les femmes ont été parmi les dernières dans le monde entier, du moins dans les pays démocratiques, à obtenir le droit de vote. Tous les autres provinces ont obtenu le droit de vote avant le Québec. Des fois, on a l'impression qu'on est en avance sur les autres, mais pas tout le temps. On a obtenu le droit de vote au Québec en 1940, alors qu'en 1918, au fédéral, il y avait déjà le droit de vote. Je peux vous dire que des discours machos d'hommes bêtes et méchants pour expliquer que c'était une mauvaise idée de donner le droit de vote aux femmes, il y en a eu des tonnes et des tonnes. J'ai lu, j'ai entendu des affaires qui avaient ni queue ni tête, ça n'avait pas de bon sens. Là, je peux vous dire qu'on part de loin. Si malheureusement, il y avait beaucoup d'hommes qui n'étaient pas terrés, mais il y en avait quand même quelques-uns qui avaient du bon sens, dont entre autres un député anglophone qui s'appelait Henry Miles, qui était député de Montréal-Saint-Laurent, qui, lui, a présenté le premier projet de loi qui pouvait donner le droit de vote aux femmes. C'était le 9 de mars 1922. Le projet a été discuté, il a été ridiculisé par beaucoup d'hommes à l'époque, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné, comme on dit, il n'a pas été adopté. Mais il y avait quand même un discours très intéressant qui a permis, d'après moi, d'aider à faire évoluer les mentalités, surtout celles des hommes. Puis lui expliquait, entre autres, là, quand il a présenté son projet de loi pour le droit de vote des femmes, que pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner le droit de vote? C'est entre autres parce qu'elles sont celles qui mettent au monde, bien, qui ont mis au monde les hommes d'État, qui les ont élevés et qui leur transmettent les plus hautes qualités qu'il faut avoir. Puis il disait aussi qu'à ce compte-là, c'est que les femmes, dans le fond, sont plus importantes que les hommes dans le mouvement des affaires humaines. Ça fait que lui avait compris là, que sans les femmes, on n'irait pas loin, là, puis que c'était sur les femmes que reposait l'amélioration de la société. Mais comme je disais, ce beau discours n'a pas suffi pour faire adopter le droit de vote. Puis en plus aussi, c'est qu'il y avait des étapes à faire avant ça, parce qu'on, comme je disais tantôt, on part de loin. Il faut se rappeler que les femmes, allées jusqu'à 1929, n'étaient pas reconnues comme étant une personne. Quand dans un texte de loi, on disait « toute personne a le droit de faire ci ou ça », c'est que le mot « personne » n'incluait pas les femmes. C'est que les femmes étaient au même niveau que les choses ou les enfants. Il n'y avait absolument aucun droit. Il fallait attendre 1929 pour qu'on reconnaisse que les femmes étaient aussi des personnes. Une autre évolution, à partir de 1931, les femmes vont avoir le droit de gérer leur salaire ou leur héritage, parce qu'avant 1931, avec les lois de l'époque, un homme peut aller à la banque ou à la caisse puis dire « moi, je veux sortir l'argent de ma femme, prendre son argent, le mettre dans mon compte ». Il n'y avait aucun problème avec ça. Ça veut dire que dans le fond, c'est que les femmes n'avaient aucune autonomie financière, ce qui était assez problématique à l'époque. Il a fallu attendre 1940, comme je disais tantôt, avec Adélard Godbout, qui était le chef du Parti libéral, qui, lui, s'était engagé, dans le cadre de la campagne électorale, à donner le droit de vote s'il était élu premier ministre du Québec. Adélard Godbout était convaincu qu'il fallait donner le droit de vote aux femmes, notamment parce qu'il disait que le niveau intellectuel des femmes était plus élevé, qu'elles étaient plus instruites, puis que, dans le fond, elles étaient mieux préparées que les hommes pour pouvoir gérer des problèmes sociaux puis d'autres types de problèmes. Puis aussi, il disait que, dans le fond, les femmes allaient permettre d'élever le niveau de discussion politique parce que quand c'était juste des hommes au Parlement, ça faisait dur, puis le niveau était assez bas, là. Bon. Puis, il disait aussi que le droit de vote des femmes allait contribuer à faire en sorte que les générations futures soient mieux préparées que les politiciens de l'époque, là, soient mieux préparées à faire une bonne tâche. Puis, ça fait qu'à ce moment-là, notre ami Adélard, il fait préparer un projet de loi, mais un peu avant que le projet de loi arrive en chambre, le cardinal Villeneuve, qui est le boss de l'Église catholique au Québec, communique avec Adélard Godbout pour lui dire qu'il n'est pas question de donner le droit de vote aux femmes, que lui n'est pas d'accord avec ça.
Parce qu'entre autres, il dit que ça va à l'encontre de la hiérarchie familiale et que ça exposerait les femmes à toutes les passions. Ça veut dire que si les femmes obtiennent le droit de vote, ils vont devenir dévergondées comme les hommes, etc. Peut-être que s'il y avait eu des meilleurs exemples d'hommes, il n'y aurait pas eu ce problème-là, mais c'est là qu'on voit que l'Église n'a pas été très contributive dans le droit des femmes, malheureusement. C'est pas pour rien que l'Église a fini par prendre le bord au Québec dans les années 60. Là. C'est que, dans le fond, l'Église était totalement, on pourrait dire, décalée par rapport à la réalité, puis que l'Église, au lieu de permettre une certaine évolution, avait le pied sur le break, puis voulait rien faire pour faire avancer le droit des femmes ou de tout autre droit de toute façon. Ça fait que là, Adélard Godbout, qui est un catholique fervent, un bon catholique, là, il est mal pris avec ça parce que là, lui, il a promis de respecter son engagement de donner le droit de vote aux femmes, puis il fait partie de ceux qui avaient décidé que quand il promettait, il le faisait. Là, c'était pas une promesse en l'air. Et là, il dit, j'ai promis de faire le droit de vote pour les femmes, puis en même temps, j'étais un bon catholique, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, il a trouvé une solution. Là, il a communiqué avec le cardinal Villeneuve, puis là, il lui a expliqué que, compte tenu du fait qu'il avait pris l'engagement de donner le droit de vote aux femmes, il allait faire le projet de loi, mais compte tenu qu'il ne voulait pas déplaire à l'Église catholique puis au cardinal Villeneuve, qu'il allait démissionner de son poste de premier ministre, puis qu'il allait céder la place à un de ses ministres, qui était un des plus importants, qui s'appelait Théodore Damien Bouchard. Et Théodore Damien Bouchard, non seulement il était influent, mais aussi il était anticlérical, il haïssait tout ce qui était la religion. Puis là, le cardinal Villeneuve a compris que si c'était Théodore Damien Bouchard qui prenait le contrôle de la politique, qui devenait premier ministre, l'Église allait tasser sur le côté, puis que là, il allait perdre beaucoup, on pourrait dire, d'influence. Fait que là, il était pas content, mais il a dit à Adélard, OK, j'accepte, mais c'était pas parce qu'il voulait. Là. Il était vraiment mal pris. Puis ce qu'on voit là-dedans, c'est que dans le fond, quelque chose qui devrait aller de soi, c'est pas aller de soi. Puis jusqu'à la dernière minute, il y a eu des gens comme l'Église qui ont voulu empêcher ce projet de loi-là, alors que dans le fond, on était les derniers au Canada à donner le droit de vote aux femmes. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, on parle de rêver le territoire. On a une entrevue avec Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Gingras. On va faire la première partie de cette entrevue sur le territoire.